Et voilà, je vais renverser mon verre de rouge. Et ben voilà. Finalement avancer à 5 km/h. Ben, je suis sûr qu'il va arriver à se tuer avec quand même, hein, ce petit con. Non, mais de toute façon, les scooters sont l'incarnation même hein, de la jeunesse actuelle. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'avance pas. Mais t'as raison, Robert, t'as raison. Hein. Maintenant, ils ont rien à foutre sous le cul, et ben, ils s'achètent des grosses motos. Et voilà. Et voilà. Alors, les anciens, encore en train de refaire le monde? Oui, bon, je vois ça. Alors, comme d'hab? Non, faut que je me réveille, là. Mets-moi un truc fort, style, un petit 102. Un petit 102 pour monsieur Robert et pour monsieur Michel. Oh, bah, moi, j'ai pas trop droit à tous ces trucs-là, hein, alors, bah, mets-moi un petit jus d'orange. Un jus d'orange? Absolument. Pourquoi, y a un problème avec les jus de fruits? Non. Ça m'étonne, c'est doux. Ah, bah, elle rigole pas avec ça, hein, c'est que ma femme, elle me surveille, hein. Moi, je fais gaffe. Je me disais bien que la petite Germaine était derrière tout ça. Bon, bah, un 102 et un jus d'orange, Marcel. T'as regardé la série de la Une hier soir? Non, j'ai fait un Scrabble avec Josette. Bon, c'était quoi? Bah, c'était celle avec l'autre, là. Où il y a le père et le fils. Le père et le fils, je sais pas, moi, Castaldi. N'importe quoi, Castaldi, mais non, ça va pas la tête. Castaldi sur la Une, t'as vu ça où, toi? Mais m'engueule pas, c'est toi qui as vu la télé, c'est pas moi. Ah, le nom de la série, c'est comme un nom de métier. Comme un nom de métier? Je comprends rien, là, ton truc. Mais si, réfléchis un peu, il y a un juge et un flic. Ah, les cordiers! Voilà, c'est ça. Et alors? Bah, c'était bien. Bonne histoire, bons acteurs, non, c'était bien. Bon, qu'est-ce qu'elle fout, l'autre? Elle est partie les tuer elle-même, les oranges, ou quoi? Putain! Hey, tu sais que les Durance font faire une piscine? Ah bah, qui c'est, cela? Bah, le vieux couple, là, qui habite dans l'ancienne maison du maire, là, en haut de la colline. Les Thénardier? Ouais, les Thénardier. Et bah, tu sais pourquoi ils se font faire une piscine? Ah bah, non. Et bah, pour... Comment il m'a dit déjà? Je sais pas moi, pour montrer qu'il avait du pognon. Tu déconnes, c'est déjà fait depuis longtemps. Non, il m'a dit un truc à la con. Bien dans sa peau, bien dans sa tête. Hein? Il voulait être bien dans sa peau, bien dans sa tête. Il t'a dit ça? Eh oui. Moi je crois que c'est plutôt sa femme qui lui met la pression pour se faire dorer la pilule au bord de la piscine, oui. Comme si elle était pas déjà suffisamment cramée par tout l'autobronzant qu'elle met, hein. Oh bah ça c'est bien vrai, on dirait une merguez. Ça fait du bien de se moquer des autres. Ouais, tu l'as dit, beau fille, hein. Bon alors, qu'est-ce que tu foutais, Simone, là? Alors, tu veux pas qu'on se dessèche à vue d'œil, non? Eh ben, excusez-moi, hein, mais j'étais au téléphone et le patron vient de me dire que le camion de livraison n'est pas encore arrivé. Oh putain. Donc alors, pas d'alcool. Non, je pensais pas vivre assez vieux pour voir ça, dis-donc. Et ton copain, c'est pas celui qui livrait, justement? Mais non, avec Théo, c'est fini depuis longtemps, il m'a lâché pour une brésilienne. Bah, à mon avis, hein, il est à la recherche d'un peu de rêve et d'exotisme. Ah tiens, ça me fait penser, c'est comment déjà leur danse aux Brésiliens, là? Leur danse aux Brésiliens? Bah, je sais pas, quel type de danse déjà, d'abord? Bah, on dirait, un sport de combat, là. Un sport de combat? Je sais pas, ouais, karaté? N'importe quoi, lui! Karaté, pourquoi pas la danse des canards, tant qu'il y est? Genre,
sais rien, moi. Puis qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta danse brésilienne, franchement. Oh, bah c'est de la culture générale, hein, c'est tout. Ouais. Eh, oh, dis donc, pour que là. Ouais. Eh ben, je te signalerai que la danse des canards, ça peut être vachement dangereux si tout le monde est torché, hein. Eh, tu te souviens, Merge Agent? Oh ouais, ça avait bien dégénéré, hein. Eh, moi aussi, quelle idée d'avoir laissé ses potes chasseurs amener leurs flingues, hein. Ouais, bah tout ça, ça me dit pas le nom de cette danse. Ça te dit rien, toi, Simone? Oh, tu sais, moi, les danses... Bon, bah, s'il n'y a pas de 102, là, hein, moi, j'ai une piscine à faire, hein, je suis désolé. Ah, bah, quelle piscine? Celle des Thénardier. Ah, bah, c'est toi qui fais leur piscine? Bah, ouais, travaille au black, ça leur rapporte moins cher, et comme ça, ils m'ont dit que je pourrais l'utiliser après. Ah, ils t'ont dit ça? Eh, ouais, bah, ouais. Ah, merde, alors. C'est con, hein? Ah ouais, c'est très con. On va pouvoir l'utiliser avec Josette, je suppose. D'ailleurs, elle sait nager, Josette? Non. Mais comme c'est moi qui fais tout, je vais faire en sorte qu'elle ait pied tout le temps, quoi. Ouais, ça va être une pataugeoire, quoi. Ça c'est bien vrai. Ouais, bah, rigolez, rigolez. Mais après, vous n'aurez pas à m'implorer à genoux pour l'utiliser, la piscine, hein? Non. Au lieu de vous engueuler, regardez, il y a le camion de ravitaillement qui arrive. Ah. La piscine va attendre, le 102 avant tout. Ben, tu sais qu'il faut le décharger, le camion, ça prend un petit peu de temps, hein. Attends, tu me prends pour qui? Je suis pas un con. Mais le 102, c'est sacré. Amen. Je te connais pas, chauffeur. Il est nouveau.